Madame arriva de 2005. J'aurai bien de la santé. Consultez, j'aime des enquêtes. Pour vos sujets, presque j'aime des enquêtes. Pour vos problèmes, consultez, j'aime vos problèmes. Consultez, presque j'aime des enquêtes. Pour vos les mains sont la créature de l'éternel tout puissant. Et c'est celui qui les maîtrise dans son intégralité. Les utilise pour guérir les malades. Créature de l'éternel tout puissant. Prince de santé, bonjour. Monsieur le journaliste, bonjour. Mes chers internautes, bonjour. Et voilà, aujourd'hui nous allons parler sur ce qu'on appelle la Sirette. Tout le monde entend parler de la Sirette, mais d'autres, ou bien beaucoup de personnes ne savent pas ce qu'il est exactement. Voilà, quand on appelle Sirène, Sirène c'est quoi? Sirène, je ne pourrais pas commencer cette émission sans pouvoir s'habiller en donner la chanson de réveil de mes divinités, de mes dieux et de mes esprits. Il fait la nomi et les mi bofon foton l'aide au ma fond. Il fait la nomi et les mi fond. Foton l'aide au ma fond les conanda. Mon nom est Rumi Fouin. Lela e ingbe koyanda molo me umi fwendo ha umako ye fen nanu mi ele mi fon wenwedo ha umako. Sirène des eaux, mes chers internautes. La sirène des eaux est un esprit légendaire tel que vous le savez, vous comprenez tout ça, on parle de la sirène des eaux. Mais pourquoi on parle de la sirène, mais pourquoi on ajoute en complète l'eau? Autant bien que les disciples accompagnent le Dieu suprême dans le ciel. Et à ce niveau, la sirène dont on parle aujourd'hui maintenant n'était pas sirène. Il était aussi un ange de Dieu suprême qui accompagnait avec les disciples de Dieu Maoussebolissa. Et lorsque cela est en train de se réaliser, et pour y aller au niveau du ciel là-bas, les quatre éléments de la nature que je vous parlais tout à l'heure, ils jouent de leur rôle pour pouvoir les accompagner par leur puissance. Et c'est à ce niveau que l'élément air avec et l'élément feu joue leur rôle à les accompagner dans le ciel. Et à ce niveau, lorsqu'on voit que la puissance de l'élément feu est en train de dominer, c'est-à-dire l'accompagnement, c'est-à-dire de Mahou suprême avec les disciples et les anges dans le ciel, alors qu'est-ce que le Dieu suprême a fait? Il a pu, c'est-à-dire tenir avec ses mains ses enfants propres à lui. Et la sirène étant laissée déborder, lui l'a quitté directement depuis le ciel là-bas et c'est directement dans l'eau qu'il est tombé à devenir un grand esprit, esprit légendaire, c'est-à-dire dans le monde entier même. C'est pourquoi partout, dans n'importe quelle culture dans le monde méthodologique, on parle de la sirène, de la sirène, de la sirène et la sirène des eaux. Il est venu de là parce que la puissance du feu les a, c'est-à-dire dépassés en puissance. Et la sirène autre est venue tomber directement dans l'eau avant d'avoir la paix. Avant d'avoir, c'est-à-dire, la paix et le bonheur. C'est pourquoi surtout, quand nous prenons l'eau, l'eau c'est ça qui donne la vie, c'est ça qui donne la paix. Et l'eau a pour rôle de rafraîchir. De rafraîchissement. Vous allez voir que c'est pourquoi surtout beaucoup de personnes qui y mettent pas du côté de l'esprit la sirène Mami Watala, s'ils font bien, ils ont toujours la paix et le bonheur. Et à la sirène des eaux, à la grande puissance de l'élément eau. C'est pourquoi elle est devenue un esprit légendaire dans n'importe quelle culture dans le monde méthodologique. On parle de la sirène des eaux, la sirène des eaux. Et c'est pour se donner de la paix. Voilà, Prince Gentil Santé, on parle de la sirène, que celui-là, elle vient de la sirène, ou bien Mère Mami Ouachal et Mami Lego. Est-ce que ces termes-là, est-ce que c'est utilisé seulement au Togo ou bien en ailleurs? Et comment appelle-t-on la sirène ailleurs?
Merci, monsieur le journaliste. La sirène des eaux, qu'on dit donc à quelqu'un qu'il a de sirène ou bien qu'il est né avec le sirène ou bien qu'il est possédé de la sirène, ce n'est pas des termes qu'on donne seulement, qu'on attribue seulement, non. Il faut que de l'être humain que nous sommes forcément, tu dois venir du côté des quatre points cardinaux là, toi tu dois venir à un côté, autrement dit, d'un côté des éléments de la nature. Si tu vas du côté de l'élément eau, et tu es venu du côté de l'élément eau parce que nous avons l'élément eau, l'élément feu, l'élément air, l'élément terre. Si toi tu es venu du côté de l'élément eau, et comment la sirène des eaux, lui avait exercé de cette puissance, et c'est pourquoi il se transforme. Vous allez voir que c'est demi-personne et demi-animal. Autrement dit, vous pouvez voir quand vous voyez le symbole de sirène comme ça, de sirène là, vous allez voir que si ce n'est pas demi-serpent et demi-être humain, vous allez voir que c'est demi-poisson et demi-être humain. Le est la plus de puissance et à ce niveau d'eau là, si tu es quelqu'un qui est né à travers de l'élément eau, et si la sirène a utilisé de cette puissance pour pouvoir amener, te convertir dans ce monde, nous avons aussi, tel que nous avons les quatre éléments de la nature, nous prenons l'élément eau aussi, nous avons les planètes air, planètes d'eau, planètes terre, ainsi de suite. Au niveau de planète d'eau, il y a encore autre monde là-bas. Comme la nature est maintenant, nous y sommes tous dedans. Et la sirène des eaux, par sa puissance, a autre planète, a autre monde dans planète eau. Et nous appelons cela monde des eaux rouges. C'est le monde de la sirène de Mami Wata. Du côté de l'élément eau. Et si tu es quelqu'un qui vient de ce côté, et si c'est la sirène des eaux qui a pris de ses conversions sur toi, là, directement, tu peux être né à travers ça. Mais si tu es quelqu'un et la sirène t'a possédé, ça veut dire que tu n'es pas forcément né d'abord avec la sirène des eaux. Mais la sirène de sa puissance étant un esprit légendaire, de sa puissance avait aisé jusqu'à à aussi travailler, te convertir et pour te ramener de son côté. Et c'est pourquoi tu as été possédé. On parle de la possession de l'esprit Mami Wata ou bien de la sirène. Vous m'avez demandé aussi de comment l'on appelle la sirène des eaux dans les autres pays. Ce n'est pas ici seulement au Togo seul, il y a la sirène des eaux, il y a Mami Wata. Non. Par exemple, quand nous prenons les mondes ou bien les pays où il y a la mer, nous prenons par exemple le Suriname. Suriname, par exemple, là, les gens l'appellent communément là-bas Watra Mama. Et quand on parle de Watra Mama, on sait que ici chez nous, c'est Mami Wata ou bien c'est la sirène des eaux, on est en train de parler. De même que quand nous prenons Brésil, là, le Brésil l'appelle Yemaya. C'est son nom, le nom de la sirène des eaux. C'est Yemaya au Brésil. C'est ça comment on l'appelle là-bas. De même que quand nous prenons le Port Sulphur, là, quand on l'appelle, on veut appeler Mami Wata ou bien la sirène des eaux, c'est Imatini comme Mamadou. Et à Grenade, on l'appelle Mamachou. Ainsi de suite que les autres pays aussi ont des noms attribués à l'esprit Mami Wata. Autrement dit, l'autre de ce pays peut l'appeler ainsi, peut l'appeler cela. Mais la sirène des eaux dont on parle là, ça c'est le cas général que tout le monde connaît. Et on sait que quand on parle de la sirène des eaux, par exemple au Brésil là, c'est Yemaya, on est en train de parler. Quand on parle de la sirène des eaux à Suriname, c'est Watra Mama, on est en train de parler. Quand on parle de la sirène des eaux, par exemple, à Grenade, c'est Mamachou. Ou bien quand on parle de la sirène des eaux à Borsul, on sait que c'est Imatinico Mamadou qu'on est en train de parler. Voilà, après j'ai un peu senti, vous venez d'énumérer les noms par pays. Et quand on veut nous faire voir la sirène à travers les photos, et partout, c'est à travers une femme. Est-ce qu'un homme
peut être né de cette sirène. L'homme peut être né de la sirène. Vous allez voir que quand le serpent, je dis bien serpent, parce que je viens de vous dire tout à l'heure que quand nous prenons la sirène des eaux, ce n'est pas toujours un homme entier. Ce n'est pas un être humain entier. Son symbole, ça, hein? Vous allez voir que c'est demi-animal, soit demi-serpent ou bien demi-poisson et demi-être humain. Et quand nous prenons le serpent, n'oubliez pas que c'est écrit même dans la Bible que nous lisons, bon, à l'histoire là. Et quand le serpent a apparu, c'est les femmes que cela a vaincu. C'est pourquoi la femme, la sirène des eaux, a indexé sur la femme au premier. Mais ce n'est pas seulement la femme ou bien les femmes qui pourraient être nées de la sirène. Telles que nous avons des autres côtés de l'esprit aussi. Donc il y a homme, mais il y a aussi femme. Là, c'est ainsi, nous avons sirène, femme et nous avons sirène. Vous allez voir que beaucoup de personnes, c'est à ce niveau que beaucoup de personnes, quand ils se marient, si c'est une femme et la femme là maintenant, l'homme l'a vu et allait marier cette femme qui a la sirène ou bien qui est née de sirène là. La sirène n'aime jamais la polygamie. Vous allez voir que cet homme là ne va plus se marier d'autres femmes. S'il insiste, il y aura la destruction de ses bonheurs. Mais autant qu'il est avec la femme sirène là, je vous assure que quand il respecte bien les recommandations de la sirène avec sa femme là, il y a toujours le succès, le bonheur. C'est pourquoi surtout beaucoup de personnes aiment aujourd'hui à entrer en contact avec la sirène des eaux ou bien à signer pacte avec la sirène des eaux parce qu'on sait que c'est un esprit légendaire qui a beaucoup, qui a assez de richesses. Et la femme qui est mariée avec cet homme là aussi, c'est difficile qu'il va aller se marier. Donc autant que les deux là sont ensemble et l'homme respecte déjà les recommandations de la femme là, de cette sirène là, il faut savoir que il y a déjà la sirène homme là aussi à ce niveau. C'est pour vous dire que on se dit que il est allé se marier dans l'eau avec la sirène dans l'eau, il a signé pacte avec la sirène des eaux et l'homme aussi peut se faire partie de ça, pas que ça peut, hein, l'homme aussi font partie. Donc c'est ça, mes chers internautes, vous comprenez. Voilà, présidente, sentez vous venez de parler de signer pacte. Est-ce que un homme qui n'est pas né de la sirène peut signer un pacte avec la sirène? Bien sûr que oui, l'homme qui n'est pas né, quand je dis l'homme, y compris la femme aussi, et l'homme, s'il n'est pas né avec la sirène des eaux, il peut signer pacte avec la sirène des eaux. Le pourquoi est que il y a des religions différentes. Et si l'être humain, il n'est pas né ici, un adepte d'une religion, vous allez voir que s'il veut, il va dire qu'il va se convertir soit dans l'église du côté du chrétien ou bien de l'islamisme ou bien du bouddhisme. Et il vient à ce côté, c'est ainsi, ça se passe sur le côté de signer pacte avec la sirène des eaux. Tout le monde peut signer pacte avec la sirène des eaux, mais comment? Avant de signer pacte avec la sirène des eaux, reconsultons sur la personne pour voir de quel côté, de quel élément lui il est ici, lui il est né. Et maintenant, on met en collaboration cela avec l'élément eau dans la sirène des eaux à sa puissance. Et maintenant, on vient se consulter encore une deuxième fois sur cet dernier pour voir de clair si la sirène des eaux l'accepte. Ah, c'est-à-dire le recevoir dans le monde des eaux rouges au niveau de planète eau. Étant donc un récit, un esprit légendaire, c'est-à-dire la sirène des eaux, et que Rome voulait signer pacte avec, ça veut dire que tu voulais demander quelque chose à la sirène des eaux. Et il va te donner, il va te le faire. Maintenant, pourquoi? Quand il va te faire, tu dois te faire consulter. Tu dois te faire consulter pour voir dans quelle mesure être possible. Est-ce que toi, tu es capable de respecter les recommandations de la sirène des eaux?
C'est pourquoi l'on consulte, parce que ce n'est pas tout le monde. Il y a beaucoup de personnes, ils ont signé pacte avec l'esprit Mami Watana, sirène des eaux. Ils ont trouvé de ce qu'ils ont demandé, c'est la richesse ou bien de quoi. Parce que c'est un esprit qui a beaucoup de richesse et tout le monde aime signer pacte pour avoir des richesses. Et la personne ne respecte pas de ces recommandations-là. Tout se détruit en même temps, en un seul coup pour cette personne. Mais à ceux qui respectent les recommandations-là, ils bénéficient toujours ce qu'ils ont signé avec la sirène des eaux jusqu'à leur éternité. Et surtout, la consultation-là se fait, je dis, dans les deux côtés d'abord. On consulte d'abord sur la personne et on vient maintenant mais en collaboration avec et le côté de l'élément de la personne et le côté de la planète, autrement dit du côté de l'esprit sirène. Mais si la personne est née directement du côté de l'élément eau là, alors c'est vite fait cela. Et le fait de signer par là, ça se passe par des cérémonies. Et on fait de ces cérémonies jusqu'à ce que la sirène même va te le faire voir. Et sur quel point que toi qui es signé par toi, qui allait signer par toi avec la sirène des eaux, sur quel point tu es pour elle là, il va te le faire voir. De quoi et quoi que tu l'as demandé, il va te le faire voir. De comment et comment ça va aller, il va te le faire voir dans les rêves tels que quand nous avons la possession de l'esprit Mami Wata, on mène en Sadi souvent que cela part des rêves et vous retrouvez dans l'eau avec Sadi les demi-serpents et demi-être humain ou bien demi-poisson, demi-être humain. Et aussi, vous sentez déjà l'odeur du parfum ou bien du porta. Donc c'est ainsi de suite, vous allez aussi rêver de cela. Et vous faites des amours aussi, de rapports sexuels dans les rêves, là, c'est ainsi, il va vous faire voir tout. Et ce seraient des rêves qui seront réalisés quand il finit de vous faire voir. Après les cérémonies de signer pacte, ça, hein, puisque ça, des cérémonies qu'on fait dans le monde des eaux rouges, comme au niveau de l'élément eau et au niveau de la mer, on fait cela et on entre spirituellement quand on quitte ici dans ce monde et quand on va dans au-delà. Dans le monde des eaux rouges, allez, il y a une grande, la grande cérémonie, c'est là-bas que ça se passe et on s'impacte là. Et la sirène fait commencer par voir des choses à l'intéressé qui avait fait cette cérémonie. Et c'est des rêves qui se réalisent avant que le prêtre, par exemple, si c'est moi, prince, j'ai un peu senti les recommandations dont tu vas suivre là. Je vais te les dire là, je vais te donner de ces recommandations, tu vas suivre. Et la sirène des eaux aussi va te le donner. Mais cher, mais pour aller se faire consulter d'abord de la sirène là, ce n'est pas les courriers que nous prenons. La consultation du côté de planète eau dans le monde des eaux rouges, ça c'est pierre sacrée. Et ces quatre différentes pièces sacrées, moi, Prince GMT Santé, a ma puissance et entrer dans le monde des eaux rouges, dans au-delà. Ces quatre pièces sacrées sont ici et que l'on consulte avec sa parole. Ça, la pierre ici. Les quatre pierres là que vous voyez, ce sont des pièces sacrées de la sirène des eaux. Et c'est ça qu'on utilise là-bas dans le monde des eaux rouges. C'est ça qu'on utilise et pour pouvoir faire consulter à la personne comme ça, tel qu'on lance, on prend les courriers, on lance là-bas. Or, dans le monde des eaux rouges, là-bas, quand on va là-bas, c'est ça qu'on utilise, c'est ces pièces sacrées. Et pour accéder le monde des eaux rouges, tu dois en avoir la puissance du monde des eaux rouges. Là, tu dois en avoir la puissance qui va accéder, c'est-à-dire à ta permission d'entrer en contact avec la sirène des eaux là-bas. Et c'est ça que l'on utilise là-bas pour la sirène des eaux, la puissance du monde des eaux rouges. Là, l'eau rouge même, c'est ça. Et on donne de peu à peu à pour pouvoir faire de sa cérémonie. La sirène, vous allez voir souvent que quand on prend de cela, ça a de multicolores, des fois surtout le bleu, ça dit comme un arc-en-ciel qui change de couleur. Et c'est ça. Vous voyez que le bleu ciel ou le bleu violet, ça dit dépasse souvent les couleurs, ça dit que l'esprit Mami Wata
fait voir dans l'eau, quand nous prenons une eau, si c'est mer ou bien, si c'est par exemple des piscines, même que vous avez, il y a l'apparition des sirènes dedans, vous ne le savez pas, parce que la personne a sirène en lui, en soi, et il est allé se nager dans vos piscines là, il peut déjà émettre et convoquer, ou tout bien amener déjà la sirène des eaux dans votre piscine, qu'est peut-être dans votre maison ou bien dans votre entourage, sans que vous ne le savez. Voilà, mais j'aime bien sortir. Quand on veut faire les rituels de Mami Wata, on utilise souvent des parfums et puis des bougies de différentes couleurs. Qu'est-ce qui explique cela? Cela explique beaucoup de choses. Vous voyez, ces bougies qui seront différemment ici, par exemple, si l'on allume les bougies rouges, et on allume les bougies de couleur bleue ou bien verte, n'importe quoi vous voulez, tel que je viens de vous parler tout à l'heure, la sirène des eaux même a une puissance dans la cancelle. C'est pourquoi la couleur de cela, vous allez voir que ça donne des multicolores. Et ces multicolores-là, vous allez voir que, donne-moi ça, vous allez voir que les multicolores-là que cela fait là, c'est ça. C'est de ça que l'on utilise aussi de ces bougies-là pour faire apparaître la puissance effectivement de la sirène des eaux avant de mener des réincarnations qui assurent pour pouvoir, ça dit, faire une cérémonie de l'esprit Mami Wata ou bien une cérémonie de Watra Mama ou bien Mamadou ou bien Yemaya ou bien Imatinique Mamadou. Donc c'est ça. Et quand tu ne fais pas cela, vous allez voir que quand tu n'allumes pas de ces couleurs de bougies là, vous allez voir que de tel que la puissance dont Mami Wata même voulait, c'est comme c'est quelque chose qui l'impressionne et quand il voit ça là, il est à l'aise. Chaque esprit a ses, ça dit ce qui lui plaît et que quand on lui donne ça là, il est à l'aise de te répondre lorsque tu l'appelles et le plus vite possible tu auras de ses puissances, de ses effets et pour pouvoir faire de rituel ou bien de la cérémonie que tu voulais. De même, vous allez voir que, et par exemple, ces poudres là qui sont aussi tellement bleues et que vous voyez, c'est une puissance très ça dit cruelle du côté de la sirène des eaux dans les rituels de la sirène des eaux. Et quand l'on prenne de cette puissance et pour pouvoir invoquer ça au dieu comme ça et pour les appeler de leur puissance là, vous allez voir que quand tu invoques de cela en même temps, l'apparition de la sirène va venir et le plus vite possible. Et à ceci surtout, quand on veut faire apparaître quelqu'un, un être nouveau, c'est-à-dire dans le monde des eaux rouges pour pouvoir faire sa cérémonie. Vous voyez, quand quelqu'un est intéressé ou bien veut signer pacte avec la sirène des eaux par exemple, et on voulait, c'est-à-dire amener la personne là, vous allez voir que quand on l'amène là, quand on veut l'amener, c'est le poudre là qu'on utilise pour invoquer de sa puissance. Et maintenant, quand on l'amène là maintenant, il est au présent maintenant dans le monde des eaux rouges au niveau de planète eau. Et qu'est-ce qu'on utilise par l'après? Vous allez voir aussi que le poudre là, que c'est différent, ça c'est rouge. D'accord? Ce rouge là est sombre. Et à ceci, l'on utilise de ceci maintenant pour souhaiter la bienvenue dans le monde des eaux rouges à l'être humain qui est venu dans le monde des eaux rouges. Et quand on invoque de ceci, quand on invoque de ceci maintenant pour souhaiter la bienvenue à l'être humain qui est venu là, vous allez voir que la personne qui est venue dans le monde des eaux rouges, et lorsque tu as fait cela pour faire apparaître la personne maintenant, et si tu veux faire la cérémonie ou bien de rituel à la personne, tu allumes maintenant les bougies là pour faire apparaître à la puissance de la sirène. Et la sirène, dès qu'il est présent, tu peux faire de ta cérémonie pour que tout se passe tel qu'il le faut à la personne, parce que les bougies là, ça donne du côté de la force, la flamme de l'esprit Mami Wata. Flamme de cela que ça donne là, c'est-à-dire la puissance de l'esprit Mami Wata là, cela réapparaît le plus vite possible et
t'as un sou sur toi maintenant, tu vas voir que ah, là à ce niveau, la personne à qui on est en train de faire cette cérémonie ou bien ce rituel-là, il va se retrouver en elle-même déjà l'apparition de la sirène des eaux et le pendant qu'il a assigné avec la sirène des eaux, il va commencer par mener si c'est de quoi lui-même il voulait. Il va dire ça et quand il dit de cela maintenant, il demande de cela maintenant, ça doit être ainsi soit-il au nom de l'élément or et au nom de Mao Sebonza et un suivi de recommandations bien sûr. Vous allez voir, quand bien on avait souhaité la bienvenue à la personne avec la puissance de ce poudre qui est du côté, l'on vous explique, il y a maintenant le rouge vif là qu'on utilise pour la cérémonie proprement dite de la sirène des eaux. Vous voyez? Et quand on fait, on donne de cela, on fait agir de la puissance sur la cérémonie proprement dite de la sirène des eaux. Vous allez voir qu'à cet aspect-là, on est déjà dans le monde des eaux rouges et on est en train d'utiliser déjà la puissance de la sirène des eaux, la puissance qui se trouve dans le monde des eaux rouges. Et quand la zone là que vous voyez maintenant, c'est pour appréhender du côté de bonheur, si c'est cela que la personne veut. Et quand on utilise de tout ceci pour vous faire voir et pour vous faire comprendre que signer pacte avec la sirène des eaux, ou bien signer pacte avec Mami Wata et pour avoir de faire bien, c'est comme ça, ça se passe. Et vous allez voir que si quelqu'un qu'est venu après ce GMT Santé pour signer pacte avec la sirène des eaux, ou bien avec Mami Wata, ou bien signer pacte avec Yemaya, ou bien Watra Mama, ou bien Mamachu, ou bien Imatinik, Mamadou, vous allez voir que c'est comme ça que ça se passe. On ne dit pas donc qu'on va signer pacte avec la sirène des eaux et on commence par des cérémonies directement comme ça. Ça a des étapes. Et l'étape, les étapes que je vous ai montrées tout à l'heure, c'est cela. Et quand on finit à ça maintenant, l'eau là qui accède des différentes puissances que je vous dis tout à l'heure, c'est l'eau qu'on utilise dans le monde des eaux rouges. Quand tu appelles maintenant, quand tu amènes la personne et tu appelles maintenant la sirène des eaux et quand elle est arrivée, c'est l'eau là qu'on lui donne, tel que quand on appelle quelqu'un ou bien quand un étranger arrive, c'est ça là on donne et on te donne et tu bois. Toi qui es venu pour signer pacte, parce que c'est ce qu'on fait là-bas et c'est ce qui se passe là-bas. Et mes chers, vous avez votre bonheur que vous voulez, le succès que vous voulez en signant pacte avec la sirène des eaux et en respectant bien ses recommandations. Sinon, vous allez voir que en peu de temps seulement, si vous ne respectez pas les recommandations de cela, parce que la sirène des eaux, il y a des jours prospices où. Parce que le rapport sexuel n'est pas trop abondant du côté de la sirène des eaux. Ceux qui ont la sirène en soi, vous allez voir qu'ils ne font pas de cela tout le temps, chaque fois comme ça. Ils ont des jours précieux pour ça. Et à ce niveau, ils respectent cela pour avoir toujours le bien, le bonheur du côté, le succès du côté de la sirène des eaux. Sinon, c'est un esprit légendaire qui a assez de richesses. Et c'est pourquoi tout le monde cherche, à peu près, je dis tout le monde cherche à signer pacte avec eux. Et quand vous le faites bien, vous allez toujours voir le côté du bonheur que vous voulez, le succès que vous voulez. Prince Jean de Santé est au Togo à Lomé. Plus 228 90 96 53 96. C'est un numéro qui est sur WhatsApp et vous pouvez aussi m'appeler directement là-dessus. Voilà, Prince Jean de Santé, pour terminer, dans 30 secondes, il y a certains qui ont l'esprit sirène, mais quand tu les vois, ils sont des misérables. Qu'est-ce qui cause ça? Merci, monsieur le journaliste. Et d'abord, comprenez que la personne, l'être humain qui a la sirène des eaux en soi, ce n'est pas toujours un être originaire. Lui, il est toujours différent des autres hommes. Je dis bien l'homme qui a la sirène des eaux là. Quand vous le voyez bien, ce n'est pas un être originaire. Lui, ses aspects ou bien la corporation physique déjà va vous faire exprès que c'est quelqu'un qui n'est pas un homme originaire. Ces aspects se diffèrent. Et beaucoup de personnes ont la sirène en soi.
et ils ne comprennent pas même s'ils ont quelque chose qu'on appelle sirène en eux. À cela, si vous avez la richesse en vous-même, en soi, il faut comprendre que c'est à vous-même de chercher pour trouver de quoi qui est sur vous en vous menant la consultation pour voir ah, si toi tu es né avec la sirène, si toi tu es possédé avec la sirène. Et maintenant, afin de chercher à voir si tu peux signer pacte avec la sirène des eaux. Si toi tu es né avec la sirène des eaux, là, toi pour signer pacte avec là, ce n'est plus quelque chose qui est très très difficile, non. Parce que tu es dans le monde, dans ce monde-là, avec dans le planète O. Autant que tu es dans planète O là, seulement que tu peux ne pas aller dans le monde des eaux rouges. Parce que c'est un autre monde, il faut être en contact direct avec la sirène des eaux afin d'aller voir. C'est comme on dit qu'il y a cette richesse ici, la mamie ici, mais il faut aller voir dedans. Ce n'est pas que tu vas rester là-bas et on va te dire qu'il y a ceci dans cette mamie, non. Toi-même, tu vas et tu vois. Le monde des eaux rouges, c'est ça. Donc, vous qui avez la sirène en vous-même et vous ne le savez pas, comprenez que c'est la consultation qu'il vous faut. Et quand vous faites consulter, vous allez voir que si c'est quelque chose, si c'est un esprit qui est en vous, ça va vous détecter. Et maintenant, la cérémonie, le rituel qu'il faut pour que vous bénéficiez de ce côté, surtout sur le côté de la sirène étant un esprit légendaire qui a assez de richesse, vous allez bénéficier facilement, mes chers. Mais signez pacte, ne fait pas dire que. Et ce que vous appelez, les gens appellent sur les réseaux sociaux, j'entends, hein, multiplication d'argent ou bien portefeuille magique ou bien quoi. Non. Ce n'est pas ça du tout. Hein. Signer pacte avec l'esprit Mami Wata, ça c'est autre chose. Signer pacte, là tu peux signer pacte avec l'esprit Mami Wata, lui en disant que tu voulais faire d'enfant parce que toi tu as cherché fatigué, tu n'as pas. Et la sirène va te donner facilement. Tu peux dire donc que voilà. Tu fais tel travail et tu voulais que ça évolue pour que tu trouves beaucoup d'argent, tu sois riche dedans. La sirène va te donner facilement. Si on te fait les cérémonies et on suit les étapes, bien sûr. Mais cela ne veut pas dire que donc on va te faire une multiplication d'argent. Non. Ou bien des portefeuilles magiques. Ça, je ne fais pas de ce côté, je ne comprends pas de ce côté. Mais signez pas avec la sirène pour avoir de sa richesse. Ne vous inquiétez pas, contactez vite votre prince GMT Santé pour avoir le succès, le bonheur et ce qui vous convient. Merci.